Bonjour tout le monde! On se retrouve comme chaque jour dans Apprendre Ensemble où on révise des flashcards santé accompagnés de l'intelligence artificielle. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le fameux effet placebo. Et pour la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons la maladie des os de verre. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est quoi l'effet placebo? Alors, euh, l'effet placebo, c'est un mécanisme psychologique où une personne se sent mieux quand elle a euh, reçu, pour pas dire uniquement consommé, quelque chose de neutre, d'inoffensif. Euh, on peut rebondir sur euh, le à ne pas confondre avec nocebo, qui lui est un autre mécanisme psychologique quasi inverse, où donc une personne se sent plus mal quand elle a reçu quelque chose de neutre aussi ou d'inoffensif. Euh, que dire d'autre en vrai En pratique, bien entendu, c'est indispensable pour effectuer des études fiables, notamment avec le placebo en double aveugle. Euh, en pharmacologie, c'est hyper important, mais comme c'est pas mon domaine, je vais pas trop m'avancer dessus. Mais il y aurait plein de choses à dire, à voir ce que l'IA nous dit par rapport à ça. Euh, L'étymologie, je la connais pas du tout. Je suis curieux de savoir d'ailleurs quelle est l'étymologie de ce terme placebo. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un mécanisme psychologique. Donc là, c'est vachement intéressant car cette flashcard fait partie de notre euh, famille psychologie de notre deck santé. Et euh, je serais curieux de savoir en profondeur les mécanismes psychologiques, les catécholamines, euh, voire d'autres neurotransmetteurs impliqués, car c'est quand même très puissant. Je pense fortement que la dopamine est largement sollicitée pour ce, cet effet, ce circuit de la récompense déclenchée avec l'effet placebo. Vous savez, moi j'ai toujours cru en fait que la science n'arrivait pas à décrire concrètement l'effet placebo, mais que malgré tout, c'est un outil indispensable et notamment dans les études scientifiques. Et rien que ça, je trouve ça hallucinant. Alors après. Euh... Bien entendu, on en sait quand même pas mal sur cet effet placebo. Mais je pense qu'on est loin de connaître le mécanisme entier de notre cerveau à penser de se sentir mieux après avoir reçu quelque chose de neutre. Après voilà, c'est fort probable que je manque pas mal d'informations sur la compréhension de l'effet placebo en science. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on n'en connaît pas assez. Et c'est très intrigant. Euh, voilà, passons tout de suite à la vérité. C'est parti. C'est quoi l'effet placebo L'effet placebo est un phénomène où une personne ressent une amélioration de ses symptômes après avoir reçu un traitement inactif ou fictif, comme une pilule de sucre, simplement parce qu'elle croit que ce traitement est réel et efficace. 1. Qu'est-ce que l'effet placebo L'effet placebo survient lorsqu'une personne présente une amélioration réelle de sa condition après avoir reçu un traitement qui, en réalité, n'a aucune propriété thérapeutique active. Ce traitement inerte est souvent appelé placebo et peut prendre la forme d'une pilule, d'une injection ou même d'une intervention chirurgicale fictive. Ah oui, c'est vrai ça. 2. Comment fonctionne l'effet placebo L'effet placebo repose principalement sur l'attente positive du patient et le pouvoir de suggestion. Voici quelques mécanismes qui peuvent expliquer comment cet effet se produit. Activation des voies neurochimiques. Croire qu'un traitement va fonctionner peut déclencher la libération de neurotransmetteurs bénéfiques, comme les endorphines, qui réduisent la douleur, ou la dopamine, qui procure une sensation de bien-être. Modulation du système de récompense. Le cerveau associe souvent la prise de médicaments ou l'intervention médicale à la guérison. Cette association peut activer le système de récompense du cerveau, provoquant une réponse positive. Effet psychologique. Le simple fait de penser que l'on reçoit un traitement efficace peut réduire le stress, l'anxiété et améliorer l'humeur, mmh. ce qui peut indirectement influencer l'état de santé général. Imagine que le cerveau est une serrure et que les attentes ou croyances positives induites par le placebo sont la clé qui déclenche la libération de neurotransmetteurs bénéfiques. Lorsque la clé de l'optimisme s'insère dans la serrure cérébrale, elle peut libérer des signaux chimiques, comme les endorphines, qui aident à réduire la douleur ou à améliorer le bien-être général. 4. Ah, le mot placebo vient du latin placere, qui signifie plaire. En anglais, placebo signifie littéralement je plairai. Historiquement, le terme a été utilisé pour décrire des traitements administrés pour plaire ou satisfaire les patients plutôt que pour leur offrir une réelle valeur thérapeutique. C'est ouf, l'effet placebo a été étudié scientifiquement pour la première fois au 18e siècle, mais c'est dans les années 1950 que son importance a été pleinement reconnue dans les essais cliniques modernes. 5. Humour et engagement. On pourrait dire que le placebo est comme la baguette magique de la médecine. Il n'a pas de pouvoir réel, mais si tu y crois vraiment, il peut quand même faire des miracles. Mais attention, ce n'est pas une solution magique pour tous les problèmes. 6 Essais cliniques. L'effet placebo est essentiel dans les essais cliniques. Mm. On utilise souvent un groupe placebo qui reçoit un traitement inactif pour comparer avec un groupe recevant le vrai traitement. Cela permet de déterminer si le médicament testé a un effet réel au-delà des attentes ou croyances des patients. Gestion de la douleur. Dans certains cas, les placebos peuvent être utilisés pour aider à gérer la douleur en particulier lorsqu'une intervention pharmacologique n'est pas justifiée ou souhaitable. 7. Culinaire. Un exemple amusant de placebo culinaire pourrait être une infusion magique de thé censée calmer l'esprit. Même si c'est juste de l'eau chaude avec un peu de menthe, croire que cette infusion a des pouvoirs relaxants pourrait vraiment t'aider à te détendre. 8. Lien avec le sommeil. L'effet placebo peut influencer le sommeil. Par exemple, si une personne pense que prendre une pilule de sommeil, en réalité un placebo, l'aidera à dormir, elle peut effectivement ressentir une amélioration de son sommeil grâce à l'effet des attentes positives. 9. Lien avec l'activité physique. L'effet placebo peut également se manifester dans l'activité physique. Par exemple, si un athlète croit que boire une boisson énergétique, qui est en fait un placebo, améliorera ses performances, il peut réellement ressentir une amélioration grâce à l'effet placebo. Mmh, très fréquent, ça. 10. Lien avec la nutrition. Si une personne croit fermement qu'un certain aliment ou supplément, sans réel effet thérapeutique, va améliorer sa santé ou son bien-être, elle peut ressentir des bénéfices subjectifs, même si l'aliment ou le supplément en question n'a pas de propriété curative. 11. Lien avec la santé mentale. L'effet placebo est étroitement lié à la santé mentale. Ils mettent en lumière l'importance de l'état d'esprit, des croyances et des attentes dans le processus de guérison. De nombreuses études montrent que la croyance en l'efficacité d'un traitement peut influencer positivement l'état émotionnel et la perception de la douleur. 12. Effet placebo versus effet nocebo. L'effet placebo produit une amélioration des symptômes grâce à des attentes positives, tandis que l'effet nocebo produit une aggravation des symptômes en raison d'attentes négatives. Par exemple, ressentir des effets secondaires après avoir pris une pilule inerte parce qu'on croit qu'elle est nocive. Mm. 13. Ne confond pas l'effet placebo avec un effet pharmacologique réel. Le placebo ne contient pas de substance active, mais fonctionne principalement par des mécanismes psychologiques et neurobiologiques. 14. Conclusion concise. L'effet placebo est une amélioration des symptômes due à des attentes positives envers un traitement inactif. Il montre à quel point la croyance et l'état d'esprit peuvent influencer la santé et le bien-être. Comment l'effet placebo peut-il être utilisé de manière positive dans les essais cliniques Alors, euh, je ne sais pas vraiment ce que tu veux dire par positif, mais en tout cas, cet effet placebo est essentiel pour la fiabilité d'une étude, d'où le fameux placebo en double aveugle qui, bien qu'il y ait mieux, certes, euh, est déjà une bonne façon de mener une étude. Euh, si tu peux m'en dire plus sur les neurotransmetteurs impliqués, je suis preneur. Tu as raison. L'EFEBO est crucial pour la fiabilité des études cliniques, notamment dans le cadre des essais en double aveugle, où ni les participants ni les chercheurs ne savent qui reçoit le traitement actif ou le placebo. Cela aide à minimiser les biais et à déterminer si le médicament ou l'intervention a un effet réel au-delà des attentes psychologiques des participants. Pour ce qui est de l'utilisation positive de l'effet placebo, je voulais dire que cet effet peut être utilisé pour renforcer la crédibilité des résultats d'une étude. Si un nouveau médicament montre des résultats significativement meilleurs que le placebo, cela soutient fortement l'efficacité réelle du traitement. Neurotransmetteurs impliqués dans l'effet placebo. L'effet placebo engage plusieurs neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques dans le cerveau. Voici quelques-uns des principaux impliqués. 1. Endorphines. Les endorphines sont des opioïdes naturels produits par le corps, souvent libérés en réponse à la douleur ou au stress. Elles agissent comme des analgésiques naturels, réduisant la perception de la douleur. Dans le cadre de l'effet placebo, la croyance que l'on reçoit un traitement efficace peut entraîner la libération d'endorphines, ce qui contribue à une diminution de la douleur. 2. Dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur associé à la récompense, au plaisir et à la motivation. Elle est souvent libérée lorsque nous anticipons une expérience positive. Lorsqu'une personne croit fermement qu'un traitement va fonctionner, son cerveau libère de la dopamine, ce qui peut améliorer son bien-être général et même moduler la douleur. 3. Sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété et du sommeil. Bien que moins directement impliquée que la dopamine ou les endorphines, la sérotonine peut également être modulée par les attentes positives améliorant ainsi l'humeur et réduisant l'anxiété, ce qui peut indirectement renforcer l'effet placebo. 4. Noradrénaline ou norépinéphrine. La noradrénaline est impliquée dans la réponse au stress et à l'anxiété. Dans certains cas, elle peut être libérée en réponse à des attentes positives, stimulant l'éveil et la vigilance, et contribuant ainsi à une amélioration de la condition perçue. En résumé, L'effet placebo utilise le pouvoir de l'esprit et des croyances pour activer les systèmes de récompense du cerveau, modulant la douleur, l'humeur et la perception du bien-être par l'intermédiaire de neurotransmetteurs tels que les endorphines, la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. C'est quoi l'ostéogenèse imparfaite Wow. Alors, euh, pour être franc, je ne connais pas du tout. J'ai entendu en fait le terme de maladie des os de verre il y a quelques jours. Je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une flashcard. Alors oui, euh, peut-être le seul truc que je sais, c'est que le terme maladie des eaux de verre est un peu un terme familier, schématisé, analogique peut-être. Mais le terme, on va dire scientifique, c'est euh, l'ostéogenèse imparfaite. Imparfaite, pardon. Donc, peu importe le nom euh, qu'on lui donne que je viens de citer, on peut se douter que les eaux sont impactés. Le terme familier maladie des os de verre. Je pense qu'il est parlant pour montrer un petit peu les complications de cette maladie, parce que le terme ostéogénèse imparfaite est quand même assez vague. Donc euh, par logique étymologique, je dirais que l'ostéogenèse imparfaite est une maladie qui rend les os plus fragiles, tout simplement. Après, étant donné que les verres sont fragiles et se cassent, ben du coup... L'ostéogenèse imparfaite rendrait probablement les os si fragiles que, en cas de faible choc, les os pourraient se fracturer. Enfin, je pense, hein, c'est du nom familier que j'imagine ça. Après, je n'avais jamais entendu parler de ma vie avant cette semaine, donc euh, je pense que c'est rare. Euh, je pense que c'est uniquement génétique à voir. Euh, voilà, j'ai vraiment rien d'autre à ajouter, donc on va passer. Tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi l'ostéogenèse imparfaite L'ostéogenèse imparfaite, OI, est une maladie génétique qui affaiblit les os, les rendant fragiles et plus susceptibles de se casser. Mm. Elle est aussi connue sous le nom de maladie des os de verre en raison de la fragilité osseuse qu'elle provoque. Qu'est-ce que l'ostéogenèse imparfaite L'ostéogenèse imparfaite est un trouble héréditaire rare qui affecte le tissu conjonctif, en particulier les os. La maladie est causée principalement par des mutations dans les gènes qui codent pour le collagène de type 1, une protéine essentielle à la structure et à la résistance des os. Ces mutations entraînent un collagène de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante, ce qui rend les os très fragiles et susceptibles de se fracturer même lors de traumatismes mineurs. 2. Type d'ostéogenèse imparfaite Il existe plusieurs types d'ostéogenèse imparfaite, classés principalement par gravité. Type I. C'est le type le plus léger et le plus courant. Les fractures surviennent généralement lors de traumatismes modérés à légers et les personnes atteintes ont souvent une stature normale. Type II. C'est le type le plus sévère, souvent létal à la naissance ou peu de temps après, car les os se cassent facilement même avant la naissance. Quoi? Type III. Un type sévère non létal. Les personnes atteintes ont souvent des os déformés, une petite stature et de fréquentes fractures dès l'enfance. Type AF, d'une sévérité modérée. Les, perso les personnes ont une stature réduite, des os fragiles, mais une espérance de vie normale. Trois mécanismes biochimiques. Mutations génétique. Les mutations les plus courantes se trouvent dans les gènes Ancol a 1 et A2, code pour le collagène de type I. Ces mutations altèrent la structure de la protéine de collagène, qui est la principale composante de la matrice osseuse. Impact sur le collagène. Le collagène défectueux perturbe la formation de l'os normal, ce qui réduit la résistance osseuse et augmente la fragilité. 4. Pense au collagène comme à la colle qui maintient les briques. Cellules osseuses ensemble pour construire un mur solide. Si la colle est de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante, le mur devient fragile et se fissure facilement. Dans l'ostéogenèse imparfaite, la clé, le bon collagène, n'entre pas bien dans la serrure, la formation de l'os, ce qui rend le squelette faible. 5. Le terme ostéogenèse vient du grec os et genesis, naissance ou création, tandis imparfaite signifie incomplète ou défectueuse. En anglais, osteogenesis imperfecta décrit donc littéralement une formation osseuse imparfaite. La maladie a été reconnue pour la première fois au début du 20e siècle. 6. Imagine que tes os sont faits de spaghettis al dente au lieu de spaghettis secs bien cuits. L'ostéogenèse imparfaite, c'est un peu comme si tes os étaient toujours cuits juste à peine trop, prêts à se casser à tout moment. 7. Diagnostic L'ostéogenèse imparfaite est généralement diagnostiquée par des examens cliniques, des radiographies et des tests génétiques. Mm. Les tests génétiques sont particulièrement utiles pour confirmer le type spécifique de mutation du collagène. Ah, oui. Traitement. Il n'existe pas de traitement curatif, mais les options incluent des bisphosphonates, médicaments qui augmentent la densité osseuse, des exercices de physiothérapie pour renforcer les muscles mm. et améliorer la mobilité ainsi que des interventions chirurgicales pour corriger les fractures ou les déformations osseuses. 8. Lien avec le sommeil. Les personnes atteintes d'ostéogénèse imparfaite peuvent éprouver des douleurs osseuses et des fractures fréquentes qui perturbent leur sommeil. Un bon support orthopédique et une gestion de la douleur peuvent améliorer la qualité du sommeil. 9. Lien avec l'activité physique. L'activité physique adaptée est cruciale pour les personnes atteintes d'OI. Des exercices légers comme la natation ou le vélo peuvent aider à renforcer les muscles, améliorer la mobilité et maintenir la densité osseuse sans risquer de fracture. 10. Lien avec la nutrition. Une alimentation riche en calcium et en vitamine D est importante pour maintenir la santé des os chez les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. Les suppléments peuvent être recommandés pour optimiser la densité osseuse. Mm -hmm. 11. Lien avec la santé mentale. Vivre avec l'ostéogenèse imparfaite peut être un défi émotionnel en raison des fractures fréquentes, de la douleur chronique et des limitations physiques. Un soutien psychologique est souvent bénéfique pour aider à gérer le stress, l'anxiété et la dépression. Ostéogenèse imparfaite veut ses ostéoporose. L'ostéogénèse imparfaite est une maladie génétique présente dès la naissance, tandis que l'ostéoporose est une condition acquise qui survient généralement plus tard dans la vie en raison d'une perte osseuse progressive. Ne confond pas l'ostéogénèse imparfaite avec des maladies comme l'ostéoporose ou le rachitisme, qui impliquent également des os fragiles, mais ont des causes et des mécanismes très différents. 14. Conclusion concise. L'ostéogénèse imparfaite est une maladie génétique rare qui rend les os fragiles en raison d'un défaut dans la production de collagène de type 1. Elle varie en gravité et nécessite une gestion médicale adaptée pour minimiser les fractures et améliorer la qualité de vie. Quelles sont les mutations génétiques les plus courantes dans l'ostéogénèse imparfaite et comment affectent-elles la structure de l'os Alors, euh, tu avais cité le type 1 comme le plus courant, donc je ne sais pas pourquoi tu parles au pluriel. Sinon, après, tu demandes comment ce type d'ostéogenèse imparfaite affecte la structure de l'os. Alors, je dirais que malheureusement, c'est quand des fractures se produisent euh, suite à des chocs légers. Quand tu m'auras corrigé, évoque rapidement le lien avec la nutrition, s'il te plaît. Bonne remarque sur le fait que le type... U est effectivement le plus courant parmi les différents types d'ostéogenèse imparfaite. Quand je parlais des mutations au pluriel, je faisais référence aux différents gènes impliqués dans cette maladie, principalement les gènes Col1A1 et ColA2, qui codent pour le collagène de type 1. Ces mutations peuvent varier en nature et en localisation, mais toutes conduisent à un collagène de qualité insuffisante ou défectueux, ce qui affaiblit les os et les rend plus fragiles. Pour clarifier, les mutations dans col 1-1 et col 1-A-2 perturbent la production ou la structure du collagène de type 1, un composant essentiel de la matrice osseuse. Cela rend les os moins solides, ce qui explique pourquoi même des chocs légers ou des mouvements ordinaires peuvent provoquer des fractures. Lien avec la nutrition. La nutrition joue un rôle important dans la gestion de l'ostéogenèse imparfaite. 1. Calcium. Le calcium est essentiel pour la formation et la solidité des os. Une alimentation riche en calcium, comme les produits laitiers, les légumes verts à feuilles et les amandes, est cruciale pour soutenir la santé osseuse des personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. 2. Vitamine D. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium. Une carence en vitamine D peut aggraver la fragilité osseuse. Il est donc recommandé de consommer des aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras et les œufs, ou de prendre des suppléments, surtout pour ceux qui ont un accès limité à la lumière du soleil. 3. Protéines. Les protéines sont nécessaires pour la production de collagène et la réparation des tissus. Une alimentation équilibrée, comprenant des sources de protéines de qualité, comme les viandes maigres, le poisson, les légumineuses et les noix, est bénéfique. 4. Éviter les excès de sel et de caféine. Un excès de sel et de caféine peut augmenter la perte de calcium dans l'urine, ce qui peut être particulièrement préjudiciable pour les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. Conclusion concise. L'ostéogenèse imparfaite est causée par des mutations dans les gènes responsables du collagène, rendant les os très fragiles. Une nutrition adaptée, riche en calcium, vitamine D et protéines, est essentielle pour aider à maintenir la santé des os et réduire le risque de fracture. Ok, euh, j'avais vraiment mal compris la question. En vérité, j'ai pas bien écouté. Euh, L'IA posait la question vraiment, comme vous avez pu l'entendre, quelles sont les mutations génétiques les plus courantes et tout. Et moi, j'avais compris quel type d'ostéogenèse imparfaite. Euh, sinon, comme vous avez pu l'entendre... Je demandais à l'IA de faire un lien avec la nutrition quand même, parce que c'est hyper important. Euh, comme vous avez pu le constater, le collagène a un rôle majeur dans cette maladie. Alors certes, c'est une maladie génétique héréditaire qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas de traitement curatif, mais on a toujours des solutions. D'un point de vue pharmaceutique, l'IA nous rappelle qu'il y a des traitements tels que des biphosphonates fréquemment euh, utilisé dans cette maladie pour augmenter la densité osseuse, euh, sachant qu'il y a plein de stratégies intéressantes, euh, comme le collagène, euh, les piliers santé, la complémentation, etc. Je suis content qu'on aborde euh, cette flashcard aujourd'hui, car euh, on a peu de flashcards liés avec euh, euh, l'ostéopathie en général, puis comme ça on peut faire des liens mnémotechniques toujours euh, sur euh, ben, ostéopathie, maladie, maladie collagène, collagène nutrition, collagène, vitamine D, vitamine D, calcium, etc. J'ai bien aimé le petit aparté que Liane nous a dit sur les aliments à éviter, tels que le sel et la caféine, qui euh, relarguent du calcium. C'est hyper intéressant de souligner et de rappeler ça, bien que il n'y a pas que le calcium comme minéral qui est relargué par la caféine et qui est nécessaire à une bonne structure osseuse et pour corriger mon erreur sur la question de compréhension que j'avais mal compris donc les mutations les plus courantes causant cette fameuse ostéogenèse imparfaite sont codées dans les gènes col 1 à 1 et col 1 à 2 pourquoi parce que ces gènes exactement codent le collagène de type 1 le fameux type le plus fréquent, euh, à savoir que ces fameux types, les quatre que Lian nous a cités, sont euh, numérotés par ordre de gravité. Voilà. voilà Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao.